Bonjour, voici la première vidéo des points de technique de base au crochet. Et tout d'abord, nous devons apprendre à choisir le bon crochet pour la grosseur de notre fil. Donc ici, j'ai un crochet. Si je le regarde comme il faut de côté, je vois que ma corde déborde de la tête. Donc, ce n'est pas la bonne grosseur pour cette corde. Je vais aller avec un autre. Ah, celui-ci, un peu trop gros. La tête ressort trop en dehors du fil. Donc pour celui-ci, beaucoup trop gros. Mais à l'occasion, peut-être qu'on va vous faire choisir un crochet beaucoup plus gros, plus gros pour avoir une tension plus souple. C'est possible. Je vais changer ma grosseur de crochet. Ici. Ah, lui, il est parfait. Pas trop gros, pas trop petit. La grosseur est parfaite. Dans le cas que j'ai ici, c'est un 4.50. Suite à le choix de notre crochet, nous allons apprendre à faire un nœud coulant. Dans la plupart des cas, le crochet se débute par une chaînette de base. Pour les travails en aller-retour. Si vous faites un travail en rond, d'autres cho choix vont s'offrir à vous, qu'on va voir un peu plus tard. Mais pour le moment, on va apprendre à faire un nœud coulant. Simplement de cette façon. Avec mon crochet, je viens ressortir le fil en faisant une petite boucle de cette façon et je serre, je tire sur les deux. Et pourquoi on fait un nœud couleur? Parce qu'il se défait facilement. C'est pour ça qu'on n'emploie pas un vrai nœud. On va le refaire une deuxième fois. Comme ça ici. Oui. Et, Et voilà. Maintenant, pour apprendre à compter mes mailles, je dois avoir des petits marqueurs que je vais utiliser pour me marquer certains endroits. Moi, j'utilise ceux de la compagnie Clover. Je les aime beaucoup. Ils sont en caoutchouc, pas facile à briser. Euh, maintenant, il faut savoir que la loupe sur le crochet, ce n'est pas une maille. Donc, on ne compte jamais celle-ci pour une maille. La première maille qui va compter va être la première qu'on va effectuer. Voyez-vous? Celle-ci, le petit cœur qui est ici, en bas, c'est la première maille de ma chainette. donc je vais mettre un petit marqueur dedans, ça va être plus facile à identifier maintenant la façon de tenir mon fil je vais l'enrouler sur mon petit doigt de cette façon comme ça ici passer mon index sous le fil et je vais venir chercher avec mon pouce et mon majeur la petite maille que je viens de fabriquer et ça va être toujours de cette façon pas comme ça ici vous n'aurez pas de facilité à aller chercher votre fil de cette façon, vous allez toujours être obligé de bouger tandis que de la bonne façon c'est simple, simple, simple comme ça juste à passer votre crochet sous à baisser la tête pour aider le passage et simplement comme ça ici et environ à toutes les deux ou trois mailles, replacez Pousser votre là pour revenir chercher du fil. Là, pour une débutante, il est hyper important de pratiquer la chaînette jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Donc, ce n'est pas exagéré de dire que vous en ferez des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres parce que votre chaînette doit être parfaite. Quand je dis parfaite, c'est que votre crochet doit glisser dans votre maille. Il ne faut jamais que vous soyez obligé de faire ça ici pour le sortir. C'est vraiment une mauvaise tension. Une bonne tension, surtout pour la chaînette, doit glisser facilement dedans. Parce que si vous faites votre chaînette trop serrée, ben le bas de votre pièce va avoir une réticence et ce ne sera pas joli. Donc, nous, on a appris à faire notre chaînette. On est rendu bonne. Maintenant, on va apprendre à faire des mailles serrées, qui est le premier point de base au crochet. Celui-ci. Et là, je vais vous apprendre à suivre un diagramme. OK. Pour commencer, un diagramme, c'est composé de signes. Donc, chaque cahier ou revue ou euh, patron a toujours sa légende. C'est selon la langue dans laquelle il va être écrit, dans quel pays il va être écrit, ça peut arriver que vous ayez des diagrammes différents qui veulent pas dire les mêmes explications. Donc, chaque fois que vous allez prendre un patron, il va falloir remarquer la légende de quelle façon elle est faite. Dans le cas qu'on a ici, un X veut dire une maille serrée. Un petit ovale comme ça veut dire une maille chaînette, parce que c'est un ovale couché. Et un petit ovale debout veut dire une maille en l'air. Donc, faites toujours votre référence par rapport au livre que vous avez. Au crochet, les diagrammes ne sont pas du tout universels. Du tout. Et là, on commence. On lit toujours. Ici, je dois compter pour commencer le nombre de mailles que j'ai à construire pour faire cet échantillon. Je les ai comptées avant, je sais que j'en ai 14 et je lis de gauche à droite pour faire mon montage. Donc la première maille est ici et la quatorzième est ici. J'ai déjà fabriqué mes 14 mailles chaînettes et là je m'apprête à commencer le premier rang. J'ai identifié la première et la quatorzième voyez-vous celle du crochet ne compte jamais. Je veux débuter mon premier rang mon premier rang débute par une maille en l'air. une maille en l'air va se fabriquer exactement comme une maille chaînette mais elle ne porte pas le même nom car elle fait partie d'un rang. Elle ne fait pas partie du, du montage. Et souvent, les mailles en l'air en début de rang vont remplacer une maille. C'est des mailles de remplacement qu'on appelle. Donc ici, la maille en l'air va remplacer une maille serrée. C'est pour ça qu'on va la voir sur les côtés. Donc, on me demande de faire une maille en l'air que je vais faire immédiatement. Et je vais l'identifier. Ici. Et quand vous allez identifier, vous ferez bien attention d'attraper par le centre votre maille pour qu'il y ait deux petits fils à l'intérieur de votre marqueur, comme ça ici. Donc j'ai bien fabriqué et maintenant je dois aller faire mes mailles serrées sur chacune de mes mailles chaînettes de mon rang. Et là, c'est bien important. La première maille serrée, je dois la fabriquer sur celle-ci, qui est la 13e, et non sur la 14e. J'avais identifié avec le marqueur bleu la position de la 14e maille chaînette, donc je sais exactement elle est où. Et maintenant, ça va être facile de trouver la treizième, juste à côté, vers la gauche. Maintenant, pour faire une maille serrée, je dois piquer dans ma chaînette. Et là, deux options se fait: Soit piquer dans le haut de la chaînette de cette façon, ou bien de piquer par le bas de la chaînette de cette façon. Et faire en sorte que vous ayez deux fils sur le dessus de votre crochet. Et ça, c'est ma manière à moi de travailler. Je trouve qu'elle est plus jolie que la première. Donc, je vais aller chercher un jeté qu'on appelle au crochet. Donc, mon premier jeté que je vais passer à travers ma maille pour en tirer une boucle. Donc, maintenant, j'ai deux boucles sur mon crochet. Et pour terminer ma maille serrée, je vais aller chercher un autre jeté que je vais couler à travers mes deux boucles. Et j'ai obtenu une maille serrée. Et je dois faire ça sur le reste de mes mailles chaînes. Donc je vais revenir en piquer une à côté, juste ici. Aidez-vous un peu de votre main à l'occasion. Là, le départ là, est un petit peu périlleux, c'est normal. Parce qu'on n'a pas de corps, il n'y a pas de tissu de formé encore. On vient chercher notre jeté qu'on tire à travers. Maintenant, je vais couler un autre jeté à travers mes deux boucles. Et là, il y a des petits avertissements. Là, tout au long que vous allez faire votre chaînette, vous devez toujours voir vos petits cœurs de cette façon. Faites attention pour ne pas twister votre chaînette ou l'inverser parce que là, ça ne donnera pas le même résultat. Votre travail doit être très propre et toujours rester droit comme ça vers vous. On vient chercher la suivante comme ça et on ferme la maille serrée. Donc, on se rend jusqu'à la fin. La dernière qui va être la première que j'avais identifiée. OK, j'ai terminé mon premier rang. Et maintenant, je vais vous apprendre à les calculer. Ici, j'ai mis le marqueur blanc dans ma maille en l'air que j'avais identifiée ici là, pour vous. Maintenant, j'ai 13 mailles séries qui sont identifiées sur mon diagramme par des X. Les mailles serrées, on les regarde de cette façon. Voyez-vous, ça donne ça ici, une maille serrée. C'est ça. Quand je vais la calculer, pour que ce soit beaucoup plus facile, je vais la calculer en regardant les V. Et non en regardant les chaînes du dessus. Alors, ça veut dire que L, ici, est une maille de remplacement, donc je dois la compter. Une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. J'ai bien mes 14 mailles, puisque j'ai monté 14 mailles chaînettes au départ. Et là, il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ne font pas ça de cette manière. Mais pour pas l'exécuter, exactement comme je vais vous montrer, il faudrait que le diagramme soit fait exactement comme ici. Voyez-vous, la maille en l'air n'est pas considérée car elle est en dehors de mon diagramme. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font une maille en l'air et tout de suite ils vont piquer sur la suivante. Mais... C'est pas un diagramme comme ça qu'on veut suivre. Nous, on suit l'autre. C'est pour ça qu'il faut bien l'exécuter et bien le lire. Fait, il y a un cas qui est comme ici et un cas qui est comme ici. Fait, il faut faire attention quand on lit un diagramme de le lire de la bonne façon. Maintenant, j'ai fait mon premier rang que j'ai lu de droite à gauche. Et maintenant, je vais lire mon deuxième rang. De gauche à droite. Pour mon deuxième rang, quand j'ai terminé, j'avais cette position. Comme ça, ici, je viens de terminer. Pour faire mon deuxième rang, je vais pivoter vers le devant pour être certain que mon fil est derrière mon crochet. Une très mauvaise position serait de le pivoter derrière et d'avoir le fil devant. Vous allez lui donner un twist qui n'est pas nécessaire du tout d'avoir. Donc, je me replace pour bien vous le réexpliquer. Comme ça ici, le fil derrière doit rester derrière le crochet. De cette façon. Maintenant, je vais commencer mon deuxième rang. Je vais faire la maille chaînette qu'on me demande de faire. Je vais l'identifier, toujours celle qui est sous le crochet et non jamais celle du crochet, et cette maille remplace une maille serrée. Donc, si je veux effectuer chacune des mailles serrées qui sont sur le rang en vis-à-vis -vis du rang précédent, je dois donc passer à la deuxième et non venir piquer sur la première car celle-ci est la maille serrée qui aurait été piqué ici. Quand on pique, on doit piquer dans, exactement dans l'œil de la maille de façon à ce qu'on voit deux fils dessus. Et là, on va exécuter encore de la même façon notre maille serrée comme on est habitué. Et là aussi, il y a la façon de tenir le crochet qui est importante. Vous avez le choix. Soit vous tenez comme moi, comme un crayon, de cette façon. D'accord Ou vous tenez dessus, de cette façon. C'est à votre choix. Comme ça. Les deux sont excellents. Il s'agit juste de choisir quelle manière vous préférez. Même les deux, si ça vous intéresse. On va se rendre jusqu'à la fin du rang en tricotant. En tricotant. En crachetant. Ça paraît, je tricote beaucoup. Jusqu'à la fin, tout en mailles serrées. Et là j'arrive à la fin de mon deuxième rang. Et vous aussi. Ici j'ai l'avant dernière qui est ici. Oups, mon petit marqueur est tombé. Et j'ai placé mon marqueur blanc pour avoir un repère dans ma maille en l'air du premier rang pour pouvoir aller piquer dedans pour exécuter ma dernière maille serrée. Comme ça, je sais exactement où aller à cause de mon petit marqueur. Ils sont très intelligents, ces petits marqueurs. Ici. Donc, si je recalcule le nombre de mes mailles, je vais obtenir 14. Une ici en remplacement. Deux. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc c'est parfait. Et là, vous devrez continuer de cette façon. Pour le troisième rang, on pivote, on fait notre maille en l'air, on marque notre, notre maille en l'air et on poursuit le rang complet. Pour la maille serrée, il y a juste cette chose, ces choses à apprendre. Vous avez qu'à poursuivre et le pratiquer et le pratiquer pour qu'on puisse vous apprendre autre chose. Mais la maille serrée est utilisée très souvent dans plein de projets. Dans des anciens livres, on l'appelle le point de rose aussi. C'est aussi facile que ça. Surtout se rappeler qu'un diagramme se lit de droite à gauche et de gauche à droite. Parce que c'est un travail en aller-retour. Allez, crocheter et bonne pratique. Voici le résultat terminé de ma petite échantillon. Voyez-vous, mes bords sont parfaits. Et ça, c'est grâce à mes petits marqueurs. Donc, n'oubliez pas de placer vos petits marqueurs. Et pratiquez-vous, pratiquez-vous et pratiquez-vous.